Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la voiture mythique de chez Porsche, la 911. 911 dans une version assez radicale, la 911 GTS. Je vais vous dire un peu tous les modèles qu'il y a, il y a une ribambelle de Porsche, mais comme d'habitude, on va l'essayer sur tout type de route. On va commencer par la ville, ensuite petite route, autoroute, nationale, et ensuite aller s'amuser à la fin sur des petites routes comme ça, ou un petit peu plus large, où on va s'amuser, voir le châssis. Et ça a l'air très très sympa, hein. Franchement, voilà, j'ai déjà pas mal roulé avec, et quelle voiture excitante. C'est vraiment la voiture qui se situe entre la Carrera de tous les jours et la GT3, c'est un petit peu le mix. Alors c'est une turbo, mais voilà, on rediscute de tout ça dans une présentation complète de la voiture, avec l'extérieur, l'intérieur, et ensuite un essai totalement complet, et on se fait un petit débrief à la fin. Alors, la Porsche 911 GTS, qu'est-ce que c'est? C'est un 6 cylindres, toujours situé à l'arrière sur la 911. Il est tout à l'arrière de la voiture. Je vous en reparle un petit peu en même temps quand on sera sur l'arrière de la voiture. Mais c'est un 3 litres turbo qui développe 480 chevaux. 480 chevaux, ça commence à devenir très sympa. Et dans cette GTS aujourd'hui, il est en propulsion. Donc seulement les deux roues arrière. Ah, ça s'annonce très très sympathique. 570 Nm de couple. L'avantage du turbo, c'est que ça amène beaucoup de couple. Lorsque les turbos vont souffler, on va sentir une poussée constante, c'est vraiment comme si quelque chose nous poussait. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas avec l'Atmo, qui est beaucoup plus linéaire. Alors ça, on aime, on n'aime pas. C'est vrai que l'Atmo chante un petit peu plus, mais on verra pendant l'essai qu'elle a quand même un petit peu de voix, hein, cette GTS. Au niveau de la Vmax, c'est donné pour 311 km/h. Ça va un petit peu plus vite qu'une GT3 ou GT3 RS parce qu'il n'y a pas d'aéro énormément poussé, comme on peut le voir. C'est assez simple. Il n'y a pas d'aileron, donc ça ralentit pas l'auto, donc ça permet des vitesses de pointe assez hautes. Un 0 à 100 annoncé en 3 secondes 4, un 0 à 160 en 7 secondes 6, et un 0 à 200 en 11 secondes 6. Bon, ça promet d'être pas mal. On va se faire des petits launch control, hein, parce que ça, on a l'habitude, on aime bien les 0 à 100 et voir ce que ça donne. Perso, j'ai bien aimé. Hein. Vous avez hâte de voir ça? Je vous en mets un tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous en mets un petit 0 à 100 là tout de suite. Ça marche, hein. C'est juste ahurissant. Ça donne envie, hein. Bon, je vous montre l'essai juste après. Bon, au niveau des modèles, on a tellement de choix sur la 911. On a la Carrera, simple de base, Carrera cabriolet, Carrera 4. Donc quand c'est marqué 4, c'est que c'est une 4 roues motrices. 4 cabriolets, Carrera S propulsion, Carrera S cabriolet, Carrera 4S, Carrera 4S cabriolet, Targa 4. Donc Targa, c'est celle qui a juste la partie du dessus qui se soulève avec le reste qui est tout vitré. 4S, GTS, donc celle qu'on a aujourd'hui, Carrera GTS cabriolet, Carrera 4 GTS, Carrera 4 GTS cabriolet, Targa 4 GTS, édition 50 ans, donc ça c'est celle qui était très jolie, qui était en édition spéciale de la Targa. Et ensuite, il y a les modèles turbo. On a la turbo, turbo cabriolet, Turbo S, Turbo S cabriolet, et ensuite on a les GT3, donc la 911 GT3 qui est plus extrême, et la GT3 Touring qui est la version extrême pour le moment, sans l'aileron à l'arrière qui est très très jolie. Et ensuite il va y avoir les GT3 RS. Les GT3 RS sur les 992 ne sont pas encore sortis, mais ça devrait pas tarder, je pense que c'est pour l'année prochaine. Et donc on a vraiment le choix en fait sur la 911. On peut avoir la propulsion, la 4 roues motrices, du cabriolet, du coupé. On a vraiment énormément de choix. Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours des 2 plus 2. Si on a des enfants, on peut amener des enfants à l'arrière. On fera un petit essai où je me mettrai à l'arrière et on m'amènera faire un petit tour, voir ce que ça donne. Une personne d'un mètre 80, si ça tient, mais je sens que je vais être un petit peu étriqué à l'arrière. Hein. Le nombre de modèles, c'est comme les options chez Porsche.
Ce modèle est à partir de 144 000 euros. Et là, par exemple, il y a 44 000 euros d'options dessus. Les options pour moi le plus important sur une Porsche, ça va être le lift qui va lever l'avant pour les dodanes. Ça, c'est assez important, surtout sur une GTS, parce que ça reste assez bas. La GTS est un petit peu rabaissée comparée à une Carrera de base. On a la voiture avec la boîte PDK, on a 8 rapports dessus, donc ça c'est direct dessus. On a le PDCC, en gros c'est le châssis dynamique qui va pouvoir gérer selon les modes. Donc ça pareil, c'est quelque chose d'assez important. On a les PDLS Plus, donc c'est les feux matriciels à l'avant. Donc Porsche de nuit, pour avoir conduit pas mal d'autres Porsche, le système d'éclairage fait partie d'un des meilleurs. Et au niveau de la luminosité, c'est juste extraordinaire. On n'est pas obligé de prendre le PDLS Plus, donc vraiment le top du top, mais c'est un conseil que je vous conseille. C'est vraiment un avantage et pour la nuit, c'est un gros plus. Je ne sais pas si on pourra faire un essai de nuit, mais je vous le conseille vraiment à 100%. Aux autres options, on a par exemple les sièges sport aujourd'hui avec le brodage GTS dessus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a l'échappement sport, ça il me semble que c'est en série dessus. Mais sinon, on a vraiment énormément d'options sur cette auto. Une petite option sympa, c'est ce qu'on retrouvera ici sur toutes les 911. On met de l'essence ici à l'avant, droite toujours. On a un réservoir de 64 litres d'origine et on peut avoir une option à 90 litres. Je vous recommande vraiment le 90 litres parce que d'une, vous allez passer moins souvent à la pompe. Et deux, lorsque vous allez faire des longs trajets, on peut quasiment traverser toute la France avec un seul plein. Et lorsqu'on est sur autoroute à vitesse constante, on a une consommation plutôt raisonnable. On sera autour des 11-12 litres. Donc ça vous permet avec 90 litres de voir venir et de pouvoir faire un trajet ou un week-end sereinement sans avoir à passer à la pompe. Surtout qu'en ce moment, c'est pas donné et en plus, enfin, il y a souvent la queue. Voilà, autant se faire plaisir et même quand on va aller sur circuit, on va pouvoir s'amuser beaucoup plus longtemps avec celle-là avec 90 litres. Petit avantage chez Porsche, c'est que c'est des voitures qui sont quand même assez fiables. C'est réputé pour ça. Il y a beaucoup de voitures qui roulent Porsche et depuis la création, alors j'ai plus le chiffre exact, mais une grosse partie, je crois que c'est 70% des Porsche produites sont encore sur route. C'est juste impressionnant comparé à beaucoup de marques. Au niveau des caractéristiques de cette voiture, elle fait 4,53 m de long, 1,85 m de large sans les rétros, sinon on est à plus de 2 mètres avec les rétros. Donc pour une petite coupée, c'est quand même une assez large voiture. Alors le fait que ce soit large, c'est bien aussi parce que ça amène beaucoup d'appui. C'est assez bas. Au niveau de la hauteur, on est sur un 1,30 m de haut, juste ici. Ça peut se relever un petit peu parce que là, on a l'option avec le toit ouvrant. Donc hop, ça relèvera un petit peu. Sinon, donc cette Porsche 992, il y a pas mal d'évolutions. Au niveau du capot, par exemple, là, c'est devenu beaucoup plus rectangulaire. On a des formes qui sont un petit peu différentes. Je vous montre ça directement de l'avant. Donc, comme on peut le voir là, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus rectangulaire qu'avant. Pareil, les lignes sont un petit peu différentes. C'est toujours bombé, on a toujours ses feux. On reconnaîtra toujours une 911 dans tous les cas. À l'époque, c'était beaucoup plus rond. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on passe sur des lignes qui sont tirées totalement différemment. Pareil, là, je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus taillé. Il y a toujours des gros aérateurs qui laissent rentrer l'air ici pour aller au radiateur, pour refroidir un petit peu tous les systèmes de l'auto. On a une lame ici qui est peinte en noir. Donc, on a quand même une sorte de lame en plastique en dessous pour, lorsqu'on va frotter, et pas abîmer directement la première lame. Et comme je vous dis, là, on a le lift, une option vraiment quasiment indispensable pour moi, parce que l'auto, là, n'est pas très, très haute. On a des radars ici, on a le clignotant qui se situe sur cette partie, la plaque, les capteurs, puisqu'on a quand même la conduite avec le régulateur adaptatif. Ça, c'est vrai plus, je trouve. Parce que comme ça peut être une voiture du quotidien, la 911, c'est vraiment une auto qu'on peut utiliser au quotidien. On a de la place dans le coffre, je vous montre ça juste après. Mais c'est vraiment une auto, ça pourrait être mon daily sans problème. C'est ultra pratique, il y a de la place à l'avant, à l'arrière. Que demander de plus? Donc, un avant assez simple, mais en même temps assez agressif sur cette GTS. Le logo Porsche ici, et donc, j'ai ma petite clé. Pareil, j'ai ma clé ici. Alors, si vous connaissez Porsche, regardez la clé. Alors, hop, je vous laisse le temps de faire l'autofocus. Ça ressemble toujours à la voiture. Donc, lorsqu'on la prend comme ça, et là, donc, on a l'option où la clé est peinte couleur de la voiture. Ça coûte à peu près 300 euros. Bon, une petite option, comme d'habitude. J'ai de quoi ouvrir mon coffre à l'avant sur la clé. Et hop, ici, j'ai un grand coffre. J'ai 132 litres de coffre à l'avant. Donc ça, c'est quand même vraiment pratique. Ça laisse pas mal d'espace, regarde. Hop, si, moi, je vais dedans. Ta-ta-ta-ta. En vrai, si je me contorsionne et que j'enlève un petit peu tous les sacs qu'il y a là, j'en suis sûr qu'on peut fermer. J'avais réussi dans une GT3 RS, on avait réussi à fermer. Sur le côté, on a ici le kit anti-crevaison, hop, et l'anneau. Et comme on a des roues spéciales, j'ai de quoi démonter l'écrou central des roues, puisque vous allez voir sur le côté qu'on a des jambes de turbo. Ici, un petit filet, de quoi ranger quelques petites choses. Donc, des petits crochets pour ouvrir,
et le capot, donc ici, totalement en alu, donc assez léger, et on referme toujours en appuyant juste ici. Pas mal de place dans le coffre, on peut partir en week-end sans problème avec madame. Et si vous en avez pas assez et que vous êtes que deux, vous n'avez pas d'enfants, vous en profitez tous les deux, vous avez 264 litres de place derrière vos sièges, parce qu'il y a 4 places, enfin 2 places plus 2 petites places. Mais si ces deux places sont pas occupées, vous pouvez vraiment stocker beaucoup de choses à l'arrière, ça c'est vraiment pratique. Sur le côté, pareil, on reconnaît parfaitement la 911. Petite particularité, donc aujourd'hui il y a des jambes de turbo peintes en noir, donc c'est une option. Écrou central, donc ça c'est beaucoup plus sexy que les 5 écrous. Et au moins, normalement, personne ne peut vous voler ces roues à moins d'avoir une très très grosse clé. Et souvent, c'est serré à 600 Nm, ces écrous. On n'a pas les freins céramiques aujourd'hui. On a des freins totalement acier. On a des freins de 408 mm à l'avant, 380 mm à l'arrière. 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Petite spécificité sur les 911, des nouvelles. Du 20 pouces à l'avant, du 21 pouces à l'arrière. Au niveau de la largeur des pneus, on est sur du 245 ici. Et ici, 305. Donc, des gros, gros boudins sur ça. Mais pareil, on verra pendant l'essai que l'arrière demande quand même à jouer, comme c'est une propulsion. Et si on a le pied lourd avec les turbos lorsque ça souffle, ça peut partir assez vite. Hein. Bon, on fait qu'un essai sur route, mais sur circuit, je pense que si on veut faire un petit peu de glisse, ça doit être assez marrant. Le petit rappel GTS ici, un bas de caisse très simple, des poignées affleurantes ici, donc qui sont rentrées dans la porte. Lorsque je m'approche, donc ça va s'ouvrir, et hop, je peux ouvrir ma portière. Des rétros noirs contrastés comme une sorte de biton avec le toit, comme il est ouvrant, donc c'est forcément noir sur le dessus. On a l'arrière qui est teinté, qui donne vraiment un look très agressif avec ce rouge carmin. Rouge et noir, je trouve que ça fait une combinaison assez sympathique. Et au niveau du rayon de braquage de cette voiture, on est sur 11,20 m. Sur l'arrière, c'est pareil, et là on peut le voir ici, c'est ses hanches très très bombées. On a vraiment l'arrière qui est beaucoup plus large que l'avant. Et on a le moteur toujours en sac à dos sur la 911. Mais cette arrière bombée, lorsqu'on est vraiment bien de l'arrière, je vous montre ça juste après, c'est tellement agréable. Et là, ce petit 3 quarts, bah, je pense que peu importe l'année de la 911, on pourra le reconnaître, mais n'importe qui pourrait le reconnaître, même un enfant. Donc là, cette arrière, là, on voit vraiment le bombage, les hanches, la folie. 992, ça met ce grand bandeau lumineux ici. Donc lorsqu'on est de nuit, on a ce long bandeau qui s'allume en rouge. Ensuite, les clignotants, et bien sûr, on a du full LED hein, à l'avant comme à l'arrière. Le logo est avec le lettrage Porsche ici. La voiture qu'on a, la 911 Carrera GTS. Donc, ça nous rappelle vraiment ce qu'on a, et c'est ça qui est cool chez les Porsche. Il y a tellement de choix, en fait. On a juste à lire à l'arrière, parce qu'on ne peut pas reconnaître, en fait, sauf si on est vraiment un très grand expert. Mais sinon, c'est difficile. Ici, les deux traits qui nous servent de répétiteurs de feu stop qui sont en plein milieu et ensuite les grilles qui sont totalement peintes. Et alors vraiment là, le contraste noir et rouge marche très très bien. Deux sorties d'échappement, je vais vous faire écouter, vous allez voir, c'est assez sympa. Un diffuseur ici donc qui est tout en plastique, je vous avoue qu'en carbone ça aurait été très très joli. Et pareil ici sur les côtés, on a des entrées d'air pour aller alimenter les turbos. Donc on a deux turbos donc de chaque côté, donc flat 6, donc 3 cylindres là-bas, 3 cylindres ici, donc avec ses 480 chevaux, et l'entrée pour l'air des turbos juste ici. Sous le capot ici, donc pour ouvrir, on a dans la portière, hop, de quoi ouvrir cette petite partie. Comme vous pouvez le voir, on n'y voit absolument rien. On a juste un petit rappel 3.0 pour le 3 litres GTS, deux ventilateurs qui font remonter un petit peu l'air du moteur, et juste de quoi remplir l'huile et le liquide de refroidissement. C'est tout. Et ensuite, je referme. Et concrètement, c'est pas vous qui allez faire de la mécanique là-dessus si vous n'avez pas un pont. On a les caméras de recul qui sont ici et sur les rétros. Très très bonne qualité de caméra de recul. Bravo Porsche d'avoir vraiment amélioré là-dessus. Parce que c'est un petit détail, mais pour moi, sur une voiture de luxe, ça compte quand même vraiment beaucoup. Bon, je vous fais écouter la sonorité. Ça devrait être sympa. C'est vrai qu'on est bridé à 4000 tours, mais lorsqu'on va partir, ça fait un petit son assez agréable. On l'entendra surtout de la voiture. C'est plutôt plaisant. Alors, c'est parti, on va aller voir l'intérieur de cette voiture. Comme je vous disais, les poignées ici, donc ils sortent lorsqu'on ouvre le véhicule, on a juste à tirer. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah, on a vraiment envie de monter. Donc là, hop, j'éteins juste ça. Auto, voilà. On arrive, on a le seuil ici en carbone qui est bien sûr une option. Hein.
911 Carrera GTS qui est illuminé sur du carbone mat. J'adore la finition, on a du carbone ici. Là, on a vraiment une très très belle config, je trouve. Les sièges sport 18 positions avec le GTS, bien sûr, marqué dessus. Donc, c'est brodé ici. Très 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 joli. Et là, comme vous le voyez, le toit ouvrant sur la partie avant. Le petit bouton pour ouvrir la partie arrière, le petit bouton pour ouvrir le coffre à l'avant. Allez, on va s'installer à l'intérieur et on va rentrer dans cette ambiance. Waouh, non, c'est quand même très sympa. Je me recule pour vous donner un petit peu plus de visibilité. On est vraiment dans une ambiance sportive et luxueuse à la fois. Donc comme je disais, le carbone, du cuir, de l'Alcantara, du cuir. Petit bac de rangement ici, petit bac de rangement ici, la Sono Bose, l'Alcantara. Vraiment, tout est bien fini, pas de plastique ou autre. Là, c'est pareil, donc la poignée pour ouvrir la porte ici. Hop, position mémorisable sur 3 niveaux. Ouverture, fermeture des véhicules. Sur la gauche ici, on a toujours le bouton pour démarrer la voiture à gauche. Donc, il y a deux raisons à ça. Personne ne sait vraiment quelle est la vraie raison, mais c'est soit... Est-ce que vous connaissez les raisons ? Moi, je veux bien que vous le mettiez dans les commentaires. Il y a deux choix. Et lequel vous croyez? Est-ce que c'était par souci d'économie, parce que la batterie était juste là et il fallait que les fils soient moins longs pour des économies d'énergie à l'époque? Ou est-ce que c'était parce qu'à l'époque, c'était la boîte manuelle? Il fallait sauter en voiture, démarrer ici et avec la main droite, passer la première pour pouvoir démarrer au Mans. Il y a ces deux histoires. Laquelle vous croyez-vous? Je ne me prononcerai pas. Alors, sur la gauche, ici, donc le démarrage, les feux, on a soit le mode auto, les anti-brouillards et les veilleuses. Du carbone encore ici, vraiment très très joli, un aérateur. Et ensuite, donc on tombe directement sur ce grand écran, on en reparle juste après, on fait le tour du carbone tout le long jusqu'au bout là-bas, très joli, surpiqué de cuir là-haut, du cuir pareil, du cuir étendu, hein, jusqu'au bout. Le pack chrono ici, ça pour moi qui est le plus important sur une Porsche. Si vous n'avez pas le pack chrono, pour moi, votre Porsche, elle est triste. Fond de compteur rouge ici, donc ça c'est une option mais qui amène vraiment beaucoup. Et de nuit, comme on a l'aiguille blanche, on a un petit peu de lumière qui entoure l'endroit où on est. Je trouve ça très très sympa, ce sera difficile de vous le montrer mais ultra top. Le volant chez Porsche, je trouve qu'il fait vraiment parfaitement la bonne taille, ni trop grand ni trop petit. Il est vraiment rond comparé à beaucoup de voitures qui maintenant font des volants de plus en plus carrés, mais plats en bas ou autre. Là, il est bien rond, on sait tout le temps qu'on va avoir une partie puisque c'est rond. Pareil, des inserts en carbone, du plus bel effet. Alors là, avec les reflets, voilà. Mais très, très joli. Alors, c'est pareil, ça, comme vous pouvez voir, là, ces touches, elles sont suspendues. On voit que derrière, donc, c'est creusé, quoi. C'est très joli. Les vis BTR, j'aime bien. Ça fait parce que ça fait un peu technique. Le petit bouton ici pour sélectionner ces drive mode et le sport réponse. Derrière le volant, je ne sais pas si vous avez des Porsche ou si vous le savez, mais derrière ici, regardez. Il y a un petit bouton, c'est pour le volant chauffant. Volant chauffant, ça c'est la meilleure option pour l'hiver. Donc le volant, de cette façon, à gauche ça va être la commande vocale, une touche favori est réglée, donc ce qu'il va y avoir sur les écrans, et ça va pareil, régler les écrans, on va pouvoir changer une fois que ce sera démarré, répondre au téléphone, retour, et ensuite bouger les choses, et ça ce sera le volume. Derrière le volant, ici on a les commandes pour le régulateur, donc régulateur adaptatif. Aujourd'hui on règle la vitesse, on maintient, on résume, on annule. Clignotant, appel de phare. Sur la droite, ce sera les essuie-glaces et des petites palettes derrière le volant. Toutes petites, tout discrètes, mais qui tombent parfaitement sous la main. Le volant est top, on a vraiment de quoi mettre son pouce ici. Rien qui vient nous gêner ici, donc on ne touchera rien, même en conduite sportive. Vous voyez, donc les touches sont loin, c'est vraiment parfait. Le klaxon en plein centre avec le logo Porsche et l'airbag. Voici pour le volant. Ensuite, on va aller sur la console centrale ici où je vous la démarre. Bon, allez, je vous la démarre. Hop, donc comme vous avez vu, le volant bouger un petit peu pour venir. Le Porsche là-bas. Donc tout ça, tout ce qu'il y a sur la gauche et sur la droite, c'est des écrans. Donc tout est numérique. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire défiler pas mal d'informations. Donc sur les écrans, en vrai, je trouve ça vraiment mieux parce qu'on a vraiment beaucoup plus d'informations qu'avant. Et on peut avoir le GPS également ici sur toute la partie droite de l'écran et toutes les infos qu'on a. Je trouve ça vraiment mieux. On a toujours cette sorte de 5 compteurs, mais on a beaucoup plus d'informations qu'avant. Et ensuite, on peut changer de compteur. Là, par exemple, je peux avoir différentes informations. Je peux même passer en aiguille et retourner sur la partie droite. Donc voilà, je peux afficher, je peux même mettre un affichage réduit où il y aura le minimum d'informations. Voilà, de cette façon, ça peut le faire également.
Bon, je vous avoue que moi, je préférais juste avant avec tous les compteurs. Toujours les 5 compteurs. Sur la gauche, on a l'heure, la température, la vitesse ici. On a les indications, un petit peu tout ce qui se passe. Le contour gradué jusqu'à 8000. On va monter jusqu'à un peu plus de 7000 tours avec cette GTS. Sur la droite, les infos du véhicule. Donc ici, on peut faire défiler pas mal de choses. Le GPS, le sport chrono si vous faites du chrono. Les forces G, les pressions des pneus. La performance moteur. Et les modes qu'on veut utiliser. Et l'affichage réduit, donc moi j'aime bien laisser soit le GPS qui peut être pas mal, soit les informations par exemple de consommation ou les températures du véhicule. Le volant est réglable, pareil, donc ceux qui ne savent pas, c'est électrique, ça se règle ici grâce à cette petite touche. Hop, je recule, j'avance, je descends et je monte le volant. Donc grâce à ça, ici, on va pouvoir tout régler. Le pédalier ressemble à ça, pédalier aluminium, qui est pareil en option. Si vous avez une envie, ça existe, mais c'est en option. Donc le pack sport chrono, l'écran ici. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo détaillée là-dessus, mais en gros, on a une touche ici, home. On a quelque chose de très sobre, très simple. Toutes les informations sont paramétrables à partir d'ici. On a les infos de la voiture ici avec des raccourcis. Par exemple, les modes de conduite, l'échappement, l'aileron. On peut même sortir un petit peu l'aileron, le stop and start ou start and stop. Le châssis, réglage, les assistances, le parcours. On peut régler tout ça de cet écran. Et les raccourcis principaux, le lift qu'on a ici, l'échappement sport pour déverrouiller et ouvrir les valves. Désactiver le SP pour de la glisse et durcir la suspension. Des aérateurs juste ici et ensuite le bloc clim qu'on va retrouver à cet endroit-là. Donc avec les températures, je peux régler ici. Donc hop, plus chaud, plus froid. Et ensuite tous les modes que l'on aura pour une voiture normale hein, avec la climatisation. Ça va être le sélecteur de vitesse, donc tout petit, très sympa. Je tire vers moi, je passe en D, je pousse vers l'arrière. Enfin, vers l'avant plutôt, je vais passer en recul. Je vais vous la démarrer à la fin et je vais vous faire écouter et montrer en même temps les caméras de recul. Le mode parking et le mode manuel pour pouvoir jouer 100% avec les palettes et que la voiture ne reprenne pas la main lorsque vous en avez marre par exemple. Donc manuel ici. Regardez, là vous pouvez voir que toute la console est un petit peu flottante également ici. Je trouve ça assez joli. Ça va être pour le toit et donc cette partie, hop, si je veux ouvrir ou fermer le rideau. Donc moi je trouve ça vraiment bien. Là, lorsqu'il fait chaud comme ça, c'est pas mal. Et on peut soit soulever juste l'arrière, soit ouvrir le tout. On verra que c'est plutôt agréable lorsqu'on va rouler. Les sièges chauffants sur 3 positions pour moi et pour mon passager. La petite option pack fumeur. Donc hop, on peut mettre ça là-dedans. Et normalement, ça s'enlève. Je vais pas l'enlever. Je vais le laisser là. J'ai pas envie de casser. Le frein de parking est ici. De quoi poser votre téléphone et pouvoir le connecter donc en Apple CarPlay ou en Android Auto. Le CarPlay sans fil et l'Android Auto avec le fil grâce aux USB-C juste ici. Et là sur l'arrière, dans cette voiture de sport, ce qui est bien, c'est qu'on a un 2 plus 2, donc deux places à l'arrière. Bon, je vais vous emmener après et je vais aller faire un petit tour à l'arrière également quand Guillemette va conduire. Les sièges GTS. Les sièges port qui maintiennent super bien. Le fait que ce soit de l'Alcantara, c'est top, ça ne glisse pas. Et surtout, ils sont bien creusés. Ils sont très confortables, à la fois très confortables et à la fois super maintien. Ça, c'est rare d'avoir le bon combo. La portière ressemble à ça. En tout, là, pareil, on a de l'Alcantara. Je trouve que c'est une très, très belle config qu'on a aujourd'hui. Ici, la boîte à gants, on peut ranger des feuilles à 4, comme vous pouvez le voir ici. Et on a un petit peu d'espace tout de même à l'intérieur. Hop! Voilà pour ça, le rétro ici, donc électrochrome, donc avec un petit bord, la touche SOS et de quoi allumer les petites LED sur les côtés, donc qui s'allument progressivement comme vous pouvez le voir. Tout le plafond en Alcantara, là un tout petit miroir avec des LED et vraiment tout le haut en Alcantara, c'est juste super beau, c'est super doux, enfin au toucher et vraiment hein, la qualité perçue est juste extraordinaire. Et vraiment, le fait de tout avoir comme ça, c'est top. On a encore des enceintes à l'arrière pour les passagers. Les ceintures rouges que je trouve top. Les sièges bébés qu'on peut mettre à l'arrière avec les fixations ISOFIX comme on peut voir ici. Plus les deux ceintures. Donc c'est une 2 plus 2. Et comme on peut le voir, il y a un gros tunnel central ici. Alors que je trouve sympa. Et normalement, il me semble qu'on peut rabattre de cette façon. Et regardez tout l'espace qu'on a jusqu'à l'arrière. C'est juste extraordinaire. On peut partir en vacances. Hein, mais vraiment, c'est la voiture parfaite, la 911. On a de l'espace partout. Bon, on va l'essayer, que ça devienne sympa.
Bon, je vous la démarre. Allez, pied sur le frein. Là. Donc, l'aiguille ici. On peut le voir. Demande de passer un rapport pour ne pas appuyer dans le vide. Et les caméras de recul, comme je vous avais promis. Donc, hop, je pousse. Donc, en 360, comme ça, comme vous voyez, de très bonne qualité. Et l'arrière. Et si je passe en avant, ça me passe sur la caméra de devant. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est très très bien. Et c'est pareil, je peux l'avoir en beaucoup plus grand angle, en élargi. Comme vous avez vu là, ça vient de se déformer, ça fait un peu fisheye. Ou sinon, je peux voir juste sur les côtés. Alors, je vous avoue que moi, je préfère la vision comme ça. Franchement, elle a tout ce qu'il faut, cette voiture. Hop, et la touche parking pour revenir ici. Bon allez, c'est parti, on vous emmène. Bon, c'est parti pour l'essai. J'ai retrouvé encore la petite guillemette que vous aimez bien sur la chaîne. C'est coucou Jean. Bonjour. C'est reparti donc avec la GTS, la Porsche 911 GTS. Ce 6 cylindres, on va voir, en gros, c'est vraiment comme je vous disais, hein, le haut de gamme, on va dire, niveau puissance, moteur, etc. de la 911, avant d'être avec la radicalité sportive. Donc c'est vraiment le compromis qu'on peut utiliser tous les jours, mais en même temps, aller s'amuser avec. Donc toujours à gauche pour démarrer. Et... ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Et petit bouton échappement. Oui, en effet. Oh oui, ça a l'air cool. Bon allez, drive. Donc, on a notre petit sélecteur ici. Et c'est parti pour notre petit road trip. Une petite heure de route. On va commencer par la ville, comme d'habitude. Donc pour la ville, on peut fermer l'échappement. Ce qui en fait une voiture vraiment très agréable. C'est calme, c'est silencieux. Ça fait un petit peu de bruit quand même. Oui, un petit peu. On est quand même dans une Porsche. Ouais. Donc, on a les drive modes qui sont personnalisables ici. On a le wet, donc pour la pluie, le normal, sport, qui m'ouvre directement les valves, et sport plus, qui me donne toute la puissance, tout ouvert, tout rigidifié au maximum, parce qu'on a la suspension pilotée. On va commencer en mode normal. On a le start and stop aussi. Alors la voiture n'a pas trop tourné là ces derniers temps, donc c'est pour ça que le start and stop n'est pas activé. Mais sinon, ça en fait vraiment une voiture civilisée. Le GPS que j'ai juste ici. Franchement, on est dans une belle voiture. Hein. Ah oui, oui. T'en penses, les sièges, t'es bien dedans? On est très bien calé, bien maintenu. Oh, c'est agréable. Le volant, j'adore. Il fait la taille parfaite. Il en a le Alcantara et tout. Avec les options carbone autour, carbone mat. Tu as senti la ceinture? Elle vient de nous retirer un petit peu. Le clignotant est discret chez Porsche. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime pas quand ça fait trop de bruit. Et qu'est-ce que c'est agréable. En vrai, là, sur les défauts de la route, là, c'est plutôt confortable. On sent qu'on est quand même dans une voiture de sport, mais ça me gêne pas, même en roulant dans les trous. Ça tape un petit peu forcément, mais c'est pas inconfortable. Et on a juste à caresser un petit poil l'accélérateur et on sent que ça y va quand même. Ça va être amusant tout à l'heure, je pense que va se passer quelque chose d'assez sympa. Bon allez, maintenant on va aller s'insérer sur un petit bout de périph. Bon, ce qui est bien, c'est que ça relance bien. On n'est pas dans la difficulté en fait pour aller s'insérer. À 50, ça me passe la cinquième. C'est une des boîtes qui reste encore hein, la plus efficace de toutes les boîtes qui existent. On a en option, donc sur cette voiture, le régulateur adaptatif, ça c'est vraiment pas mal. Lorsqu'on va faire de la route, parce que bon, quand on se prend une GTS, c'est qu'on peut faire de la route, on peut partir en vacances avec, on a de la place, on a de la place à l'arrière, on a de la place à l'avant, on a un grand coffre. En fait, vraiment, c'est une voiture à tout faire. Et ça qui est bien avec les Porsche, c'est on peut tout faire avec une Porsche, même une GT3, même une GT4, même une RS. En fait, il y a toujours du coffre à l'avant, donc on peut toujours partir en week-end. Et ça, je trouve que c'est vraiment le gros plus de ces voitures. Et ça reste toujours au final confortable. Même si là on a quand même pas mal de gros bruit de roulement parce qu'on a les pneus comme ça à l'arrière. Mais d'un côté c'est ce qu'on veut un petit peu quoi. Faut faire.
mais là je suis à 65 en 7e. Ça se passe bien. Là j'ai le réservoir 90 litres, ça m'affiche 900 km d'autonomie. Pas mal, ça donne envie d'aller se balader quoi. Bon, on va pouvoir faire quand même de la balade à rythme un petit peu plus dynamique. Petit bout dans un tunnel, donc là comme vous pouvez le voir au tableau de bord, c'est très simple, c'est blanc, tout l'éclairage est blanc. Un petit peu d'éclairage ici là qui est en option, que j'ai des deux côtés et dans les portières. Tout petit peu, mais c'est voilà, c'est très délicat. Mais c'est une petite attention, c'est pareil, c'est une option hein, chez Porsche. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est en option. Là, on est à 70 pile poil. Ah, ça ralentit parce que devant le monsieur ralentit. Mais on était en 8e. Là, quand ça doit réaccélérer, la voiture accélère toute seule, elle retombe 1, 2 rapports. Mais à 70, elle s'était mise en 8e rapport. Juste de quoi être parfait et être à 1000 tours minute. Je suis à 1000 tours minute pile poil. Le moteur n'est pas en contrainte ou quoi que ce soit, c'est facile pour lui. On a quand même un 3 litres. Hein. Et c'est ça l'avantage des gros moteurs aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'être haut dans les tours pour pouvoir cruiser en fait. Et là on est vraiment en mode cruise, et même si j'ouvre les échappements, j'ai une petite sonorité, une petite résonance supplémentaire. Et quand je les ferme, on entend vraiment que c'est beaucoup plus calme. Et là j'ai vraiment envie d'aller faire de la route, me dire bon ben voilà, je vais me faire un petit week-end à Deauville si j'habite à Paris ou même un petit peu plus loin. Et vraiment en mode balade, tranquille, tranquille. Allez, on sort enfin un petit peu de la ville. Pour le 70-90 est facile. Je vais me remettre mon régulateur. Allez, je me mets à 90, voir ce que ça donne à 90. Parce que comme d'habitude, hein, que ce soit une Porsche ou pas, moi je l'essaye dans les mêmes conditions que les autres voitures. Donc pareil, lorsque je reste en mode normal, la voiture est super saine, super facile. Moi je roule à 90, pourquoi le camion me dépasse? Parce que c'est 110 maintenant. Non mais les camions c'est pas censé dépasser 90 normalement. C'est vrai. 90 pareil. Hein. Toujours hyper agréable. Alors ce qui est bien chez Porsche c'est qu'il y a le petit bouton ici. Tu connais ce petit bouton? Dis-moi. C'est si j'appuie, la voiture va me donner 100% de la puissance tout de suite. T'es prête? Ok. Là. D'accord. 110, 115. Pendant 20 secondes, ça s'appelle le sport response. Pendant 20 secondes, la voiture va être au max. Et si j'ai besoin de doubler? Il va y avoir de quoi faire. Bon, ça devient sympa quand ça monte tout en haut dans les tours là. Et on était dans l'échappement fermé. Ah oui. Ah, c'est sympa. Tout en haut, t'entends, il y a une sorte de une vibration un peu spéciale. Ben, c'est sympa. Enfin, ça donne envie de s'amuser. Bon, le sport response s'est calmé, donc je repasse en mode normal. La voiture, tout de suite, elle se calme. Ouais, on retourne se mettre à 110. Fait un bruit beaucoup plus rond. Ouais. Hop, c'est 110 ici. N'hésite pas à tomber un rapport pour vous y emmener. Là, pareil. J'ai laissé les échappements ouverts et je peux refermer. Et tout de suite, ça se calme. Et là, je peux me refaire de la route tranquillement. Comme vous le connaissez sur la chaîne, le fameux test rond-point. Petit rond-point. Qu'est-ce que ça donne? Le châssis ultra ferme. Pourtant là je suis même pas en mode sport. La direction toujours très précise. Ouh, ça a l'air d'être joueur de l'arrière un petit peu. Ah, ça s'ouvre un poil. Donc on a le moteur en sac à dos hein, sur ces voitures. Et ensuite ça envoie. C'est vrai que dans le rond-point ça tient bien la direction, franchement. Elle vire vraiment à plat et je suis pas en mode sport. En mode sport plus, c'est encore plus ferme. C'est juste bluffant. Oh, un petit tunnel. Ah, c'est sympa. Oh, ça pousse. En fait, ça pousse, c'est démesuré. Là, on a ouvert un petit peu. En plus, on entend un petit peu plus la mélodie. On va fermer parce que sinon, ça va faire un petit peu trop de vent dans l'habitacle. Mais... on a vraiment envie de s'amuser.
le premier dodan. Ce qui est bien, c'est que sur cette version, on a l'if. Bon, là, c'est un assez petit. On a les gens qui passent. On a le start and stop. Qui, au final, moi, ça me dérange pas. Quand je suis dans les bouchons, j'ai pas besoin de consommer bêtement. Donc là, on a un mode normal. Bon, c'était un tout petit dodan. On sent que ça reste très ferme. Et même la direction. On voit que les voitures, elles virent vraiment. Vraiment à plat. Oh, un cycliste allait passer. C'est pour qu'il nous entende arriver, c'est pour la sécurité de tout le monde. N'est-ce pas? Évidemment. Franchement, la direction est top. À Porsche, on peut pas leur reprocher quelque chose sur la direction, parce que c'est vraiment très agréable, c'est précis. C'est toujours précis, très précis. Un mode confort sur les petites routes. C'est pareil, on peut prendre juste du plaisir à cruiser sur ces petites routes avec la petite sonorité. On peut jouer de la palette. On peut passer en mode full manuel. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est de laisser le D et jouer des fois de la palette un petit peu et s'amuser. Juste passer les rapports comme on le veut. Après, le manuel, si vous êtes sur circuit, oui, ça peut devenir intéressant, vraiment pour vous amuser. Si vous êtes sur ce genre de petite route, ça peut être également plaisant. Mais c'est vrai que le D avec la reprise automatique, c'est pas plus mal, parce que des fois, si vous faites pas forcément attention, vous allez aller au rupteur ou autre. Donc d'un côté, moi j'aime bien laisser en D et juste des fois reprendre la main. Petite route sympa, voiture sympa, copilote sympa. On va donc se tester le mode sport. On va faire l'aller en mode sport et en sport plus au retour. Bon. On laisse en boîte manuelle, enfin pas manuelle, en boîte drive automatique. Et on va voir comment la voiture se débrouille. Déjà, vraiment la direction, la sensation, l'accélération et même la boîte n'hésite pas, la voiture n'hésite pas. Oh, c'est sympa, j'aime bien les pop-up. T'entends des fois là, les retours. L'atmo, mais on a quand même quelque chose.
3, donc en full atmo. Quand tu reposes ma soufflée, c'est quand même très très simple. Bon allez, maintenant on tourne le bouton sur Sport Plus. Sport Plus, là vraiment la voiture est énervée au maximum, elle veut que vous donniez tout. On est sur route, donc bon, on fait toujours attention, même si là il n'y a absolument personne. Tout est passé en sport, échappement sport, hop, on déconnecte pas le SP parce qu'on est sur route. Mais là la voiture, on sent qu'elle en veut vraiment. Oh là 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 là. Et la direction. Et tu sens la différence en Sport Plus, c'est impressionnant. Le châssis est devenu voiture de course, vraiment. C'est dingue. Je suis bluffé. Il y avait une dame sur le côté qui nous aidait bien. Je veux lui faire profiter de la sonorité. Oh là 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 là. Et ça pousse non-stop. Non-stop. En fait, on n'a jamais envie de s'arrêter. Qui joue, c'est
êtes plus impliqué dans la conduite, tu vois. Parce que quand c'est 4 roues motrices, bah, ça y va tout seul et tout. C'est quand même moins marrant. Bon, on n'a pas eu de chance, il y a un camion, mais... C'est vrai que les papapapapa, ça y est beaucoup plus là. Alors, je sais pas si on peut juste rigolo. Soulever ça un petit peu comme ça. Vas-y, comme ça, juste ça. Ah non, je voulais pas autant. Bon, vous connaissez la chaîne, launch control obligatoire. Hein. Pied à fond sur le frein. Tu as dû expérimenter, toi. Exactement, c'était lui. Mais quand même quoi, c'est sportif. C'est sportif, mais agréable. Mais agréable. Bon, puisque c'est agréable, faut refaire un launch control. Un mode sport plus cette fois, on va voir s'il y a une petite différence ou pas. Ok, on va écouter le son. Profitons de cette petite mélodie. C'est pour vous. M'emmène faire un petit tour. Donc je tire ici, hop, je vais peut-être l'avancer un petit peu. Alors, quand on est passager, on peut avancer un petit peu. Et je vais venir me glisser ici, hop là, hop là. Je vais chercher la porte. Alors, ouh, voilà. Alors, on va pas faire longtemps. Hein. Profite. En fait, j'ai que j'arrive à la démarrer. Et sur le frein, tu tournes ça. Tourne à droite, c'est enfant, petit enfant ici, hein. Ceinture, hop, faut que j'enlève le mode parking, tu tires vers toi le levier, pied sur le frein, tu tires vers toi, voilà, j'espère que tu as le permis, hein. Vas-y, là tu lâches le frein et ça va avancer, bon, en même temps tu vas me décrire un petit peu ton expérience de conduite.
Alors on est très bas, mais moi j'aime bien ça. Oui. Le volant est bien, on voit bien. C'est un peu raide, mais c'est bien. J'ose pas trop y aller. Je pense que tu veux pas que j'y aille. Non, tu vas rester calme. Attends, j'en ai déjà conduit une. Ouais, une GT3 en plus, t'as eu de la chance. Ah oui. Celle qu'on a passée sur la chaîne d'ailleurs. Une belle GT3 991. Et bah, franchement, à l'arrière, je t'avoue, c'est très très désagréable. T'es pas bien ? Pas du tout. En fait, je sens que je vais déjà avoir un torticolis. Je me fais malmener ici. Oh là là. En fait, je pense que si vous faites plus d'un mètre 40, cette place n'est pas faite pour vous. Ou sinon, il faut vraiment vouloir sortir avec son copain qui a une 911 pour pouvoir passer à l'arrière. Ah, Guillemette a l'air d'aimer cette voiture. Mais elle est trop géniale cette voiture. C'est facile à conduire alors ? C'est trop facile à conduire, c'est ça qui est très dangereux en fait. Ouais. Alors à gauche. Ouais, c'est que du coup on a envie d'y aller. Bon, tu vas avoir une petite ligne droite, tu vas pouvoir te faire un petit plaisir. Mets les roues bien droites. Vas-y, à fond, pied plancher. Oh la vache. Ok. T'aimes bien ? Mais moi j'adore. On va demander au Papa Noël alors. Hein. En fait, je vais jamais m'arrêter, tu vas jamais repasser devant. Attends, j'aimerais bien passer devant parce que j'ai déjà mal au cou. Sinon, il faudrait que je me mette comme ça. Non, en vrai, derrière, c'est pas top top. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est facile à conduire. C'est très facile. Ça se conduit mieux qu'une Clio. Bah, c'est vrai que c'est très facile, c'est ça l'avantage des Porsche, c'est que c'est facile. En fait, c'est accessible à beaucoup de monde. En fait, on n'est pas obligé de rouler vite avec. Et c'est ça l'avantage. Ouais, ça a l'air très facile. Hein. Bon, allez, arrête-toi, je te fais un petit plaisir. Y a personne derrière ? Non. Y a personne derrière, tu peux t'arrêter. Regarde, tu vas voir, t'as le petit bouton Drive Mode, tu vas pouvoir le tourner. Tu le tournes, tu prends tes deux doigts, tu tournes. Sport, Sport Plus. Non, Sport, c'est plus sympa, il y a les pop-pop. Oui. Bon, il y a toujours personne derrière ? Non. Bon, tu veux tester un launch control ? Vas-y, dis-moi comment on fait. J'ai peur de derrière. Pied tu appuies frein. À fond, tu prends ton pied gauche, tu le mets sur le frein à fond, fort, fort, fort. Tu appuies à fond sur l'accélérateur et tu relâches le pied. Alors, ça va monter, ça va faire ta, 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 et tu relâches d'un coup l'accélérateur et tu restes accéléré à fond. Ok, mais. Tu relâches le frein ? Les deux à fond, ouais. Et tu relâches le frein. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà, lâche le frein. Oh, oh la vache! Oh la vache, de derrière, c'est ça, c'est ouf! Ok! C'était cool de devant? C'était cool de devant! C'est bon, je vais ressortir de là, s'il vous plaît! On va retourner sur la petite route. Oui! Oh la vache, de derrière, on se prend un à-coup aussi! On entend bien le moteur parce qu'il est beaucoup plus proche de derrière également! Oh, ce bruit! C'est sympa, hein! Bon, et je vous fais un petit point de vue conducteur pour montrer à quoi ça ressemble et vous montrer à quel point c'est plus impressionnant tout de suite lorsqu'on est au volant. Et regardez, enfin elle, là ça va très très vite quand même, ça tient super bien, c'est juste bluffant. Et l'accélération, ouais, c'est quand même assez fou, n'est-ce pas? Attends, petit launch control, Sport Plus. T'es prête ? Allez. Ça marche, hein. C'est juste ahurissant. J'adore. Bon, et un petit tour en dynamique, parce que bon, c'est quand même très important. Point de vue conducteur, c'est juste très très excitant. Oh la vache, la tenue de route. Pas besoin d'aller si vite que ça, c'est surtout ce genre de voiture, c'est fait pour s'amuser en vrai. Parce que là, regardez, on dépasse pas 90, j'ai même pas forcément envie de dépasser les 90 km/h. Sur les gros freinages, ça marche bien. Les freins acier, c'est largement suffisant, on n'a pas besoin du céramique. Oh là, c'est juste excellent, j'adore.
aller beaucoup plus vite. Mais voilà, là, là, là. Bon alors, cette Porsche 992 GTS. Vraiment, pour moi, le meilleur compromis. Donc, c'est la 911, le 2 plus 2, l'espace à l'arrière, l'espace à l'avant, le look de la 911, une voiture fiable avec toutes les technologies qu'il y a maintenant et quand même tout le plaisir. Le flat 6, 480 chevaux avec les turbos. Le turbo, ça a l'avantage de ça pousse tout le temps, ça relance et la sonorité est quand même assez présente. Donc, pour moi, on a quand même un win-win. Ce n'est pas une GT3, mais la GT3, c'est peut-être un petit peu plus radical. Là, on a vraiment le bon compromis. Elle existe pareil en cabriolet, si vous voulez, en 4 roues motrices. Pour moi, le meilleur compromis, c'est cette GTS Propulsion, la version qu'on a aujourd'hui. Ce rouge est assez sympa. Je ne sais pas si j'aurais choisi ce rouge ou pas. Il y a des beaux bleus et autres. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Écrou central, les options ont été bien optionnées. Le fait d'avoir les suspensions qui sont adaptatives, ça change radicalement la voiture. L'ouverture des valves, on a vraiment envie de se faire plaisir à ce moment-là. Et à une 911, quoi. Ah là là, j'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, vraiment que du plaisir à bord de cette voiture. C'était une belle expérience et c'est un problème parce que ça me donne vraiment envie d'en avoir une parce que ça a beaucoup d'avantages. C'est plaisant, c'est joli. Ça reste une belle voiture. Les Porsche, ça décote pas trop. Les GTS, c'est pas facile à avoir. Et bon, ben, il reste plus qu'à travailler un petit peu encore. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu comme ça, ça fait toujours plaisir. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que vous prendriez une GTS, une 4 GTS, une cab, une turbo, turbo S, GT3, GT3 RS et pourquoi? Et voilà. Dites-moi votre config idéale dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. Allez, à bientôt. Ciao.